Le CNESCO a souhaité lancer les universités d'été avec le CESE en ce début de quinquennat. Nous avons en fait besoin d'intelligence collective et ces universités d'été ont pu comme ça réunir la communauté éducative. Je suis actuellement en établissement, en collège, en zone éducation prioritaire. Les questions de mixité sociale, on le voit bien à travers l'actualité, prennent un relief tout particulier et la réussite d'une certaine catégorie des populations également. Donc c'est une question qui me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment senti que ces questions-là justement étaient au cœur des préoccupations du système éducatif puisqu'elles sont vraiment revenues très souvent à l'ordre du jour. Elles ont même été au centre des préoccupations. Et l'ensemble de ces recherches justement pose la question de la mixité sociale, scolaire et de la réussite de l'ensemble des publics comme une question éminemment centrale. Voilà. Et c'était intéressant d'avoir les apports notionnels, les apports scientifiques qui ont pu alimenter ensuite les débats, les échanges. La manière dont on répond aux besoins éducatifs de certaines populations, cette forme de justice scolaire qu'il faut absolument incarner, elle est au cœur de la promesse républicaine. Si l'on veut pouvoir fonder une république qui soit à la fois plus émancipatrice, mais aussi plus démocratique au sens où les populations elles-mêmes se saisissent de son propre devenir, de son propre fonctionnement, il faut véritablement que cela passe par l'école. Je pense que l'école fait la société de demain, donc c'est à elle d'incarner cette notion de justice et d'essayer de faire en sorte qu'elle soit comprise, assimilée et admise par l'ensemble des jeunes qui nous sont confiés. Participer pendant 2 jours aux universités est pour nous une opportunité d'abord d'enrichissement, de partage, de rencontre, mais aussi donner l'exemple de ce que nous voulons faire et repartir avec le sentiment de dire nous sommes sur le bon chemin et le CNESCO va nous apporter, va nous aider dans l'évaluation de ce que nous voulons mener. Toutes les interventions sont extrêmement enrichissantes, mais aujourd'hui l'inégalité fait partie de mon mandat et de la mission pour laquelle effectivement je dois trouver des moyens et nous devons tous trouver des moyens pour améliorer les conditions de réussite de tous nos élèves. On a eu pendant ces 2 jours plus de 400 inscrits, une participation donc très importante parce qu'il y a une vraie volonté de réfléchir collectivement, de donner des suggestions, de recommandations pour faire avancer le pays, pour faire avancer l'éducation.